Olivier. À toutes. Chers amis, bienvenue ici dans cette rotonde de ce bâtiment extraordinaire. Je voudrais d'abord immédiatement accueillir Nadia Yala, qui est une des deux commissaires de la Biennale de Kinshasa l'année prochaine. Vous allez en parler aussi, je pense, de cette expérience incroyable, hein. Je voudrais féliciter Souleymane Bakir Diagne parce que Souleymane sera honoré demain comme nouveau membre de l'Académie belge du Royaume de Belgique des Arts et des Lettres. Il vient de New York et gère à l'Université de Columbia, l'Institut africain. Et merci d'être parmi nous et d'avoir la chance de passer l'Atlantique et d'avoir l'occasion de voir, comme on annonce ce soir, le curateur. Alors j'espère que Kendall n'est pas vexé, mais le curateur, non, c'est pas toi, Syndica Dokolo, ici présent. Syndica, merci. Je ne peux que remercier tout le monde. Il y a beaucoup de monde là derrière. Je ne vais pas dire des noms, mais il y a beaucoup de monde qui nous a aidés et qui nous a accompagnés ici dans la salle depuis 15 ans de ce chemin de respect et de trouver une façon de réapprouver l'histoire de l'Afrique, de l'Europe et de ces dialogues et de cette grande complexité. Et Beaux-Arts a voulu participer à ce projet. Et un de ses projets les plus récents, c'est ce projet entre Syndica et Kendall. Depuis longtemps, j'étais au courant que cette collection se trouvait partiellement quand même à Bruxelles. Et c'était toujours un peu un rêve.
Eh bien, le rêve s'est réalisé aujourd'hui que ces deux hommes, Kendall et Sinica, se sont rencontrés. Alors, aujourd'hui, le débat est en français. J'espère tous vous revoir demain. And tomorrow, Kendall will speak in English and will be giving another focus on this great project we have the opportunity to do at Beaux-Arts. On rentre immédiatement dans le débat. Le débat est capté. C'est-à-dire pour ceux-là qui ne sont pas là ce soir, vous pourriez en tout cas le revoir sur notre site. En tout cas, c'est important de savoir. Tout ce qui s'est dit aujourd'hui restera dans la mémoire de cette maison. Et merci en tout cas à nos partenaires de Nuit Sonore d'avoir pu réaliser ce projet. Alors, je voulais quand même vous dire qu'un des jeunes palestiniens qui a de hip-hop fera un concert à 2h ici, dans ce même endroit. Alors la nuit est longue, j'espère quand même vous revoir, de rester un peu pendant tout le week-end de musique, parce que c'est un week-end de création, mais aussi d'innovation dans la pensée. C'est pour ça qu'on a créé cette European Lab ensemble avec nos amis lyonnais, et qu'on a créé ce projet commun à Bruxelles Nuit Sonore, European Lab Brussels. Je vous maintenant donne à vous trois la parole et très bonne discussion pour l'heure qui vient. Merci. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien ? Ouais. Bonsoir, merci à tous d'être présents pour cette discussion donc, dont le titre immédiat s'offre à vous sur ces écrans, African Art as Philosophy. Et un des enjeux, précisément, de cette discussion sera de jouer pleinement, en fait, le sens de ce titre, les choix curatoriaux que ce titre, en tout cas, a pu impliquer. Je voudrais d'abord remercier, comme il se doit, il faut faire les choses correctement, remercier donc toute l'équipe de Beaux-Arts, remercier également le European Lab et ceux qui ont organisé les Nuits Sonores d'avoir permis justement cette soirée et d'avoir permis cet échange entre deux invités que j'aimerais présenter un peu plus longuement pour préciser les enjeux, les réflexions, les orientations que j'aimerais donner à cette discussion puisque je suis la maîtresse de cérémonie ce soir. Donc tout d'abord, Sinica Docolo, donc. Vous êtes collectionneur d'art et mécène, vous voyagez entre plusieurs espaces, plusieurs lieux, l'Angola, le Congo, Portugal, la Grande-Bretagne, la Belgique. Vous êtes connu pour être un grand collectionneur d'art et vous possédez toute une collection d'œuvres d'art classiques et contemporaines réputées, produites donc par des artistes du continent africain. En 2007, vous avez créé la Sinica Docolo Foundation, organisation sans but lucratif, donc, dont l'objectif est de soutenir et d'encourager le développement de l'art contemporain d'Afrique et de la diaspora. Vous contribuez également activement, et ça on reviendra sur ce point, parce qu'il est extrêmement important, donc, au débat concernant le rapatriement d'objets d'art volés. Et enfin, c'est ce qui nous réunit ici, avec l'artiste Kendall Gers, vous avez construit et pensé tout ce projet d'exposition Beaux-Arts à Bruxelles, intitulé Incarnation, qui expose une partie de votre collection, mêlant donc des œuvres d'artistes contemporains, pour la plupart du continent africain, et des œuvres d'art classique également du continent africain. À vos côtés, donc, monsieur le professeur Souleymane Bachir Diagne. Donc, Souleymane Bachir Diagne, on était parti du principe du tutoiement, puisque, en fait, on se connaît très bien, donc ce sera le tutoiement, mais il y a quelque chose de très formel dans le vouvoiement, donc je l'arrête immédiatement, sinon ça va être trop peu naturel. Donc, Souleymane Bachir Diagne, tu es professeur de philosophie à Columbia University, philosophe, spécialiste de philosophie des mathématiques, spécialiste de philosophie islamique et de la négritude, entre autres, et de philosophie française. Tu as écrit de nombreux travaux sur Bergson. Tu as publié de nombreux livres. J'aimerais notamment citer les deux derniers, un dialogue avec Jean-Louis Amsel, Enquête d'Afrique, un dialogue très fort dans lequel tu reviens justement sur ta conception de la philosophie et du travail d'historien de la philosophie. Un livre qui vient de sortir également, intitulé La controverse, donc Dialogue sur l'islam avec Rémi Brague, aux éditions Stock. Toutefois ici, le livre qui va nous réunir tous les trois en fait, et qui est mis en lumière et mis en avant par l'exposition, c'est ce petit livre, une réflexion sur l'art, sur la métaphysique de la vie et sur l'héritage de la négritude de Senghor, qui s'intitule Léopold Sédar Senghor, l'art africain comme philosophie.
un livre qui fait immédiatement référence à tout ton travail sur la négritude et qui est au cœur, il me semble, du dispositif aussi que vous avez voulu mettre en place dans l'organisation et la construction donc, de cette exposition. Alors, pour commencer, je ne vais pas immédiatement vous poser une question, mais je vais vous dire comment j'aimerais vous poser des questions et comment j'aimerais un petit peu mener cette conversation. Cette conversation, cette exposition, c'est une rencontre. Une rencontre entre des livres, entre des auteurs. Vous avez lu tu as lu Souleymane Bachir Diagne. Et toute l'exposition présentée ici donc, implique des choix curatoriaux très forts, de confrontation donc, des œuvres d'art classique avec des œuvres d'art contemporain, mais autour d'un thème très précis et autour d'une réflexion très précise donc, qui engage l'idée même de philosophie. Alors, quand on m'a demandé de venir discuter avec vous, immédiatement j'ai eu peur, je dois l'avouer. J'ai eu peur parce que, d'une manière générale, quand on confronte la philosophie au monde de l'art, on reproche toujours aux philosophes son caractère un peu cannibale. Précisément, la philosophie étant toujours indifférente aux objets auxquels elle se confronte, elle n'éprouve souvent aucune peine à les emprisonner dans son discours, les laissant en général pour morts. Et ici encore, donc, les mots qui gouvernent l'exposition peuvent apparaître chargés, peuvent même frapper à la gorge. Art africain, afrocentrique, spiritualité africaine, identité africaine. Et tous ces termes, justement, enveloppent les œuvres en les recouvrant de tout un langage métaphysique auquel peut-être elles ne demandent justement qu'à échapper. Mais je crois qu'on manquerait quelque chose en s'en prenant trop vite à la philosophie et en convoquant trop vite son tribunal, ce qui est une manie répétitive dans son histoire. Et j'aimerais peut-être, durant cette conversation, aller jusqu'au bout du pari que vous avez fait en tant que curateur de l'exposition, et non pas oublier les œuvres qui sont exposées, mais plonger dans le propos qui les organise et qui est le suivant. De la même manière qu'il y a une philosophie écrite, de la même manière qu'il y a une philosophie orale, il faut reconnaître qu'il y a une philosophie matérielle dont l'incarnation privilégiée est l'art. Et les arts africains en seraient le plus puissant témoignage. Alors commençons notre conversation comme si on ouvrait un livre de philosophie. Je sais que ça peut déjà ennuyer certains d'entre vous, mais allons jusqu'au bout. Donc ouvrons ce livre de philosophie et j'aimerais vous poser une première question, en fait, te poser une première question, Syndica. Donc l'exposition Incarnation entend permettre à celles et ceux qui la traversent d'écouter justement ce témoignage puissant de l'art africain pris comme tel. Et donc, en concevant l'exposition avec Kendall Gers, tu as confronté les œuvres de ta collection à ta rencontre avec les travaux donc, du philosophe Souleymane Bachir Diagne. Moi, j'aimerais donc poser d'abord une question très simple, somme toute assez immédiate. Comment tu as découvert le texte de Souleymane Bachir Diagne? Comment tu as rencontré justement ce texte Senghor ou l'art africain comme philosophie? Et comment ce texte, en fait, s'est-il imposé pour donner un corps conceptuel à ton expérience de l'art, peut-être, si je ne force pas les choses, et mieux peut-être une expérience de l'art dit africain, qui explose les temps, art classique, art contemporain, et les géographies, les Afriques et aussi les diasporas? C'est ma première question. Voilà, bonsoir à tous. Je voulais remercier Yalam et notamment le professeur. C'est un grand honneur et un moment. Vous savez, cette exposition, c'est quelque chose de très intime. D'habitude, comme je dis, j'ai toujours le confort d'être le collectionneur qui prête des œuvres. Et là, maintenant, j'ai été obligé un peu de mettre my neck on the line, comme on dit en anglais, et donc de prendre une espèce de risque. Je l'ai fait parce que j'avais le sentiment qu'il était de mon devoir de témoigner de quelque chose qui m'était arrivé. Dans mon parcours d'homme sensible, donc dans mon parcours dans le domaine de l'art et de la culture, il y a toujours eu ces ponctuations qui étaient tellement essentielles, qui étaient faites en fait de concours de circonstances. Et là, c'était vraiment un concours de circonstances qui était le point de départ de cette découverte que j'ai faite, qui a été tellement marquante pour moi, tellement marquante que je me suis senti obligé d'en faire ce témoignage, de le partager avec les autres. C'était il y a quelques années, je crois 4 ans, Kendall fêtait son anniversaire et j'étais par hasard à Bruxelles. Je suis très rarement à Bruxelles. Il se trouvait que j'étais là. Et Catherine, qui travaille depuis longtemps avec la fondation, et notamment ici à Bruxelles, m'a dit « Tiens, mais c'est l'anniversaire de Kendall ce soir, est-ce que tu voudrais pas passer ?» J'y suis allé et j'ai parlé à Kendall. J'étais comme tous les collectionneurs, j'ai toujours des phases comme ça là où je suis très très excité sur quelque chose. Alors il y a la phase cubaine, la phase nord-américaine, la phase sud-africaine. Et là, j'étais dans une phase qui m'accompagne toujours, qui est la phase d'art classique,
qui est vraiment ce qui m'émeut le plus profondément. C'est l'intuition qui, pour moi, est la plus claire. C'est-à-dire, lorsque je suis en présence de ces œuvres, j'ai une espèce de sentiment de plénitude. J'en éprouve une émotion qui est décuplée par rapport à ce qu'on peut éprouver ou ce que j'ai pu éprouver par rapport à d'autres formes d'expression artistique. Et donc, je m'en suis ouvert à Kendall et je disais, il y a ce chef-d'œuvre que j'ai vu et je peux l'acquérir et je suis en train d'essayer de rien. J'ai parlé au bout de 30 minutes de lui casser les pieds comme ça pendant son anniversaire et il m'a vraiment engueulé. Il m'a dit, écoute, tu commences à m'embêter avec tes histoires, il est temps que tu comprennes que si tu étais à moitié aussi sérieux dans l'art contemporain comme collectionneur que tu l'es dans l'art classique, tu serais sans doute le meilleur collectionneur du monde. Et il faut que tu te réveilles. Tu n'as pas deux collections, une collection d'art classique, une collection d'art contemporain. Tu n'as qu'une collection, tu as une collection d'art puissant. Alors ça déjà, ça a été, bon, passer le choc de me faire tenser, c'était évidemment la révélation et le point de départ. Et c'est ce soir-là, alors on a terminé à 2, je crois, à 4 heures du matin, et c'est ce soir-là, en fait, qui m'a recommandé la lecture de ce bouquin. Et la lecture de ce bouquin, en fait, a mis des mots sur des intuitions que j'avais. Elle m'a permis de définir, dans le sens de délimiter, le chemin que je suis appelé en tant qu'Africain soucieux de faire du sens dans le contexte dans lequel j'évolue, et notamment par rapport aux défis de l'Afrique. C'est un bouquin qui a été vraiment un élément déclencheur, à tel point que je me suis dit, mais c'était important que je puisse avec l'aide de Kendall, pas seulement faire le témoignage, mais remettre en place, à travers ce projet curatorial, ce qui a été l'effet déclencheur pour moi. Et donc toute l'idée, non pas seulement d'incarner ou d'être une matérialisation de certains thèmes qui sont dans le livre, comme par exemple le thème du rythme qui est formidable. J'ai pris le petit livre ici et j'ai fait des petites annotations très studieuses. Je suis persuadé que j'arriverai pas, mais bon, je recommande à tout le monde de vraiment le lire. Mais donc toute l'idée, c'était pas seulement de matérialiser les choses que j'avais lues, mais réellement de permettre d'initier. J'avais le souci d'initier d'autres personnes qui étaient comme moi, africains ou afrodescendants, et qui sont un peu, se sentent parfois, éprouvent l'anxiété de ne pas être utile aux grands défis que notre continent auquel il est confronté, et surtout qui ne, vous savez, pour un jeune africain aujourd'hui, être s'engager pour une cause qui va au-delà de son propre intérêt ou de son propre bonheur, c'est très difficile. À l'époque de mes parents, alors vous êtes de la génération de mes parents, le défi était clair, c'était évident, ça demandait beaucoup de courage, mais l'horreur coloniale était telle que c'était évident que c'était la négation de l'homme, de la dignité, etc. Et donc le choix était clair. Aujourd'hui, pour un jeune Africain, le choix est très confus. On ne sait pas comment est-ce qu'on pourrait se rendre utile pour sortir un peu l'Afrique de l'ornière. Et donc, je voulais le partager avec tout le monde et je voulais être un déclencheur. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait un peu comme une initiation et qu'on a voulu absolument dire African Art as a Philosophy, pas comme un statement, mais comme, pour terminer votre initiation, lisez ce bouquin et ressortez-en toutes les sens. Ça me permet justement de rebondir directement sous Souleymane Bachir Diagne. Et justement, il y a une conception de l'art africain qui vient d'être rappelée autour de la puissance, du rythme, qui est au cœur de l'exposition, donc, mais qui est au cœur de ce livre, du livre que tu as écrit, et tu montres quelle est précisément la clé à partir de laquelle on peut comprendre la négritude, non pas la négritude, mais une négritude, et précisément celle de Léopold Sédar Senghor. Et dans ce livre, tu montres que les questionnements, en fait, qui étaient au cœur de la pensée senghorienne, étaient les suivants. Que veulent dire les masques africains? Donc, je reprends des questions du livre. Que disent ces objets qu'on a appelés justement des fétiches lorsque les dieux en sont partis? Et moi, la question que je voulais te poser immédiatement, toujours pour rebondir avec ce qui vient d'être dit, c'est comment passe-t-on simplement d'un questionnement, en fait, sur la signification des objets à la philosophie, et peut-être plus encore à une philosophie de la puissance et du rythme? Merci infiniment. Permets-moi de prendre d'abord quelques secondes simplement pour dire un immense merci, pour exprimer ma gratitude pour cette rencontre. Je voudrais remercier Beaux-Arts qui m'a permis d'être ici, et puis remercier mon vieil ami Kendall. Nous avons eu une conversation il y a je ne sais plus combien d'années, mais il me le rappellera.
parler, et c'était à cette occasion que j'avais entendu parler de vous, que j'admirais de loin le travail considérable que vous faites pour l'art africain de manière générale, pour l'Afrique plus généralement encore. Et je suis ravi, véritablement, d'être dans le même panel que vous et de retrouver Yala également sur ce panel. Et j'ai été très ému par l'exposition que j'ai vue et également par les artistes que j'ai entendus. Vous savez, Yala, tu le disais tout à l'heure, il y a un côté un peu cannibale, évidemment, de la démarche philosophique, où on a l'impression qu'on va enfermer la réalité dans les concepts que l'on emploie, et puis on se rend compte que la réalité résiste bien plus que cela. On a également une espèce de peur d'être décalé par rapport à la pratique réelle des choses. Et c'est la raison pour laquelle je parle de l'émotion qui a été la mienne en entendant un artiste, photographe, parler de son travail et mettre en chantier, utiliser des concepts qui sont dans mon travail, l'opposition entre une raison œil et une raison étreinte. Disons, une conception de l'art qui consiste à considérer que l'art, c'est une chose qu'il faut voir, qu'il faut goûter avec les yeux, caresser du regard, comme on dit en français, en étant à la bonne distance, se mettre à distance des choses et découvrir dans Incarnation l'idée que justement, au contraire, quand il s'agit de l'art africain, il faut probablement abolir la distance, ne pas mettre les objets sur les murs, les mettre en plein milieu, les rencontrer. Et alors, je reviens à ce propos de l'artiste photographe qui disait, qui parlait justement de cette opposition entre une raison œil qui voit, qui met à distance les choses pour mieux les goûter, et une raison étreinte qui, au contraire, abolit la distance entre l'objet et nous et se met, d'une certaine façon, à danser avec l'objet. Kendall, dans sa présentation en anglais, a utilisé une expression. Dancing the mask. C'est, grammaticalement, c'est une expression un peu bizarre, que ce soit en français ou en anglais. Mais effectivement, c'est l'expression qu'il faut utiliser. Ici, danser les choses, danser avec elles, en communion avec elles, c'est véritablement la signification du travail que j'ai essayé de faire. Et je suis heureux de voir que mon travail a pu trouver son chemin, au fond, dans ce que vous faites et dans ce que vous expliquez de ce que vous faites. Parce que c'est la seule manière pour quelqu'un qui a réfléchi d'une manière théorique, philosophique, sur une question, de se rendre compte qu'au fond, ce quelqu'un n'était pas totalement montgolfière, n'était pas totalement détaché de la réalité, et que les concepts employés pouvaient avoir une certaine efficacité sur le terrain. Je suis assez vieux pour avoir connu Léopold Sédar Senghor et avoir fait l'expérience d'être guidé par lui. J'étais allé le voir chez lui. C'était l'époque où il avait quitté le pouvoir au Sénégal et il revenait encore. Sa santé lui permettait de revenir au Sénégal. Et quand il revenait au Sénégal, il m'invitait volontiers chez lui, au Dent de la Mer, cette magnifique villa qu'il a sur la corniche de Dakar. Et mon expérience, l'expérience au fond qui a donné naissance à ce livre, c'est l'expérience du vieux président Senghor me guidant à travers ses objets d'art qu'il collectionnait chez lui, un peu comme vous, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois des dons de son ami Picasso, du Soulard, etc., mais également des choses anciennes, et m'expliquant ce qu'il appelle le parallélisme asymétrique. Ça me dépassait beaucoup à l'époque, d'autant que j'avais une affection réelle pour lui en tant qu'homme, mais j'étais absolument contre lui et tout ce qu'il représentait. J'étais contre sa politique, je trouvais que le socialisme africain c'était moins bien que le socialisme scientifique, je trouvais qu'il avait été trop accommodant avec la colonisation. Bref, toutes les choses que l'on reproche à Senghor, je les lui reprochais à ce moment-là, mais j'étais totalement schizophrène, je faisais la part entre ce que je pensais de la négritude et l'homme qui était là et qui était extrêmement émouvant et qui m'avait toujours manifesté depuis que j'étais rentré de France une amitié qui me touchait beaucoup. Et donc, parallélisme asymétrique. Je sors de là, je dis c'est magnifique ce qu'il m'a dit et puis j'oublie.
Et c'est seulement en 96, finalement, qu'il y a eu un tournant dans ma démarche. Pour son 90e anniversaire, je l'ai organisé, la conférence de l'Université de Dakar pour son anniversaire, je l'ai organisé à Dakar, et j'ai également pris part à une tournée organisée par les instituts français, les alliances françaises, pour expliquer un peu ce qu'était sa pensée. Et il m'est revenu à ce moment-là qu'au fond, la seule vraie manière de comprendre Senghor, c'est de comprendre ce qu'il dit de l'art africain. Laissons tomber le socialisme africain, laissons tomber la négritude même de manière générale, les formules dans lesquelles la négritude s'est exprimée, et qui parfois étaient des formules malheureuses, et regardons simplement la manière dont il nous a enseigné à nous réapproprier notre propre héritage, c'est-à-dire à le lire dans sa signification. Et c'est là que je réponds à ta question. Effectivement, une philosophie, ça s'exprime dans le langage. Ça s'exprime sous des formes variées et différentes de mots et dans des genres différents. Mais une philosophie, ça s'incarne également, pour reprendre le titre de cette exposition. C'est-à-dire que le langage plastique peut parfaitement être un langage philosophique. Donc, que veulent dire les masques ? Que veulent dire les sculptures ? Que veulent dire les peintures ? Que veulent dire les arts visuels africains de manière générale, mais également, évidemment, les arts lyriques et les arts poétiques sur le plan philosophique ? De quelle cosmologie est-ce que ces arts sont la traduction ? Voilà la question qui a habité Senghor et qui l'a habité pendant très longtemps. Dès qu'il a mis les pieds en France, il passait sa vie à aller au musée du Trocadéro, qui ne s'appelait pas encore musée de l'homme et qui ne s'appelait pas, certainement pas musée du Quai Branly, puisqu'il y a cette continuité entre le musée du Trocadéro. Et il allait là, il se plantait devant ces objets et il essayait de les déchiffrer, au fond. Et c'est ça qui a créé son amitié d'ailleurs avec Picasso, puisque Picasso a fait la même expérience, d'aller voir ces objets en se demandant « mais pourquoi est-ce qu'ils sculptent de cette manière ?» Et donc, la question qu'ils étaient en train de poser, c'était quelle philosophie s'est incarnée dans ces objets d'art, quelle philosophie a trouvé ce langage plastique pour s'exprimer. Et c'est là qu'il me semble que une clé est donnée par la pensée senghorienne. Et cette clé, c'est celle qui consistait à dire le langage plastique est un langage qui exprime les forces primordiales, finalement, qui expriment des choses aussi simples que exister, c'est être une force. Nous sommes tous, parce que nous sommes des êtres et que nous sommes des existants, nous sommes des forces. Nous exprimons un certain nombre de vibrations. Et je reprends encore un mot d'une artiste, de l'artiste Bianca Bondi, quand elle a présenté tout à l'heure son travail et le matériau qu'elle exposait. Eh bien, cette idée que les choses existent en tant qu'elles sont des forces et en tant qu'elles sont des vibrations et en tant qu'elles sont des rythmes. Et que finalement, créer, c'est mettre ensemble des rythmes, faire des rythmes de rythmes et faire des objets qui non seulement ont été créés par une certaine force créatrice, mais maintiennent cette force créatrice. Ce qui a été dit tout à l'heure de cette petite sculpture qui suinte, qui continue à suinter, c'est extrêmement important. Les objets vivent parce qu'ils ont capté de la vie, ils ont capté de la force, ils sont en quelque sorte des condensateurs de force, et c'est ça qui fait en réalité la nature de ces objets d'art que nous appelons africains. D'où, et je reviens à mon point de départ, d'où l'idée que il ne s'agit pas d'une beauté plastique qu'on tient à distance et qu'on caresse du regard. La Vénus de Milo est la plus belle femme du monde. Apollon de Belvédère est le plus bel athlète au monde. Alors, nous avons forcément avec ces deux sculptures des rapports mimétiques. Ils nous ressemblent tout en étant infiniment plus beaux que nous, mais ils nous ressemblent et au fond, c'est à partir de cette ressemblance que nous nous identifions à eux et que nous goûtons avec les yeux, le plaisir de les regarder. Les objets, les sculptures dont nous parlons, la sculpture, cette sculpture qui suinte, elle n'est pas belle si au sens de beau, j'entends une sorte d'idéalisation de la forme humaine,
mais elle est absolument magnifique, si j'entends par là, la force avec laquelle elle nous touche et elle nous étreint. Vous avez dit très joliment dans votre présentation tout à l'heure, syndicat, que vous aimez, quand vous rentrez chez vous et que vous êtes entouré de ces objets, ne pas allumer la lumière ou l'éteindre, et avoir le sentiment que ces objets sont là et qu'ils vivent autour de vous. Vous savez, vous vous souvenez de ce film d'un musée qui devient vivant la nuit, où les objets se mettent à vivre, etc. Et dès que le matin arrive, dès que les spectateurs arrivent avec leur regard qui fige, avec leur regard qui pétrifie, leur regard de gorgone, finalement, les spectateurs sont toujours des sortes de gorgones qui pétrifient la chose qu'ils regardent, ces objets se tiennent quoi et s'offrent à notre contemplation, celle que nous souhaiterions. Mais ils ont cette vie en eux, qui peut s'exprimer par ce suintement, qui peut s'exprimer par la manière dont ils nous touchent, mais littéralement. Profondément, cette expérience, il faut la faire, finalement, s'enfermer la nuit dans un musée, et parce que la nuit abolit les distances. On ne voit pas, mais on voit mieux, c'est-à-dire qu'il n'y a plus. On ne voit plus la distance qui me sépare de l'objet, et donc il est capable, à ce moment-là, de me toucher. Picasso a fait cette expérience. Il la raconte. Il raconte que quand il est allé au musée du Trocadéro, c'est comme si ces objets le touchaient, le hantaient, et il avait besoin d'une certaine manière de les exorciser, c'est ce qu'il dit, et il dit que les demoiselles d'Avignon lui sont probablement arrivées au moment où il a décidé d'exorciser ce qui lui était arrivé avec la visite du musée du Trocadéro. Voilà, en gros, une très longue réponse à ta question sur la manière dont une philosophie peut s'incarner dans des objets et trouver non pas le langage des concepts, mais le langage plastique des objets. Alors, moi je suis très sensible à ce discours, mais puisqu'on est dans cette discussion philosophique, il faut quand même apporter un peu de contradiction, oui, et un peu de sel, etc. Et c'est vrai que quand tu dis... Le controverse, maintenant. Voilà, je tout à fait. Dans la controverse. Mais c'est de la contradiction qui permet de penser. Donc c'est pas de la contradiction qui crée de la polémique ou du polémos. Mais j'aimerais vous poser une question en fait à tous les deux, et parce qu'en fait vous partagez une certaine idée de l'art africain. Et Bachir, tu as dit cette phrase à l'instant, je l'ai notée précisément: créer, c'est faire des rythmes de rythme. Cette phrase est magnifique. Exister, c'est être une force. Cette autre phrase est magnifique. Mais moi, ma question en fait, c'est: en quoi ça permet de spécifier quelque chose comme étant de l'art africain, puisque ces idées-là, en fait, par exemple, et je vous taquine tous les deux parce que ce sont aussi des références qui viennent dans les articles et dans les interviews que j'ai pu lire de vous, on les retrouve aussi chez Nietzsche, on les retrouve aussi chez Bergson, et donc ma question c'est pourquoi il faudrait nécessairement, finalement, cette conception de l'art, pourquoi il faudrait nécessairement, en quelque sorte, l'africaniser, ou nécessairement la construire comme une spécificité, comme un propre de l'Afrique. Moi, je suis une grosse lectrice d'un philosophe congolais, Valentin Moudimbe, qui a écrit des livres « The Invention of Africa »,« The Idea of Africa », etc., et qui dit, en gros, que dès qu'il y va de l'Afrique, il se joue quelque chose dans les discours, dans cette espèce de gnose africaine, etc., mais qu'on constitue toujours l'Afrique comme un paradigme de la différence. Et là aussi, peut-être, en essayant de spécifier nécessairement l'idée d'un art africain, est-ce qu'on ne rejoue pas cela, ou est-ce que vous essayez de nous dire autre chose ? Alors justement, c'est intéressant. Moi, je m'étais pas préparé pour un débat de philosophie, donc vous souffrirez que j'ai une approche qui est beaucoup plus empirique. C'est vraiment mon expérience personnelle. Moi, mon approche n'a pas été de théoriser sur ces questions. J'y ai été confronté dans la réalité de mon engagement et mon engagement lorsqu'on est à la tête d'une fondation dont l'objectif, une fondation culturelle artistique, dont l'objectif est de réintégrer l'Afrique dans les circuits du monde de l'art, rendre la création artistique contemporaine et historique accessible à son public, on est dans des choses qui sont très politiques. On est vraiment en première ligne en fait de beaucoup de sujets qui sont très politiques, qui ont trait à la dignité, qui ont trait à la revendication, à la redécouverte, l'affirmation de soi.
Et donc, dans cette perspective, moi, c'est vrai que je me suis souvent retrouvé bloqué dans ce faux débat qui est un débat piège de lorsqu'on a appelé collection d'art africain. Et c'est vrai que j'ai dû trouver une petite tournure au bout d'un moment. Je me suis rendu compte, passez-moi l'expression, je pense que c'est un terme technique, philosophique, ça s'appelle piège à con. Je me suis retrouvé un peu bloqué souvent dans ce piège à con qui était de commencer à passer des débats entiers autour de oui, mais africain, c'est quoi? Est-ce que noir, c'est la même chose qu'africain? Est-ce que, alors Afrique du Nord, c'est africain? Est-ce que Kendall Gears, qui est blanc, est-ce qu'il peut parler au nom de l'Afrique, même s'il est né en Afrique et qu'il lui faut un visa pour voyager hors d'Afrique du Sud? J'avais trouvé une petite, qui était une petite formule, qui était une pirouette, qui était de dire c'est pas une collection d'art africain, c'est une collection africaine d'art. C'est-à-dire un point de vue africain sur une époque, sur une culture, sur une création. Alors c'est intéressant parce que c'était une pirouette, mais ça a enclenché quelque chose qui m'a beaucoup aidé ensuite. C'était cette conscience que c'était important que je sois le siège de ma propre pensée. Et donc cette idée d'afrocentrisme dont tu as parlé, pardon, au début, et qui n'est pas, moi c'est pas un vœu pieux, c'est vraiment quelque chose qui m'est nécessaire pour continuer à faire du sens dans les démarches que j'entreprends. Et donc de ce point de vue là mon expérience par rapport à l'art africain, elle a été, donc je disais, pas théorique, très pratique. Maintenant je dois dire que la lecture du bouquin, mais j'ai parlé d'intuition au début, parce que en fait, c'est vrai que j'ai eu la chance de vivre. Ma mère est là, donc c'est la première fois qu'elle me voit, donc je lui rends hommage, puisque je suis que en large partie les émotions, les idées, l'imaginaire qu'elle m'a permis d'accéder quand j'étais petit. C'est un thème sur lequel j'insiste souvent, que les musées sont fondamentaux en Afrique. On a besoin de plus de musées que d'églises. Parce que c'est important d'amener les enfants là, c'est gratuit, c'est comme une langue étrangère, quand une langue maternelle, quand on vous l'apprend dès le berceau, c'est comme vous faire cadeau d'une seconde âme. Et bien là, c'est exactement la même chose dans le cas des musées, ça donne une profondeur à la personne. Et donc moi, je l'ai découvert de manière empirique, j'avais près de 30 ans, et j'ai été confronté, confronté, c'est un terme très physique, mais qui exprime exactement ce que je voulais dire, à une toile de Basquiat. Basquiat qui a jamais mis les pieds en Afrique, mais qui respire tellement cette africanité, toute l'idée du rythme, de la puissance, de cette espèce de vigueur, de vitalité, et qui m'a vraiment sauté au visage. Et tout ce que j'avais vu quand j'étais petit, de l'art classique africain auquel j'ai été exposé dans ma maison, et tout ça, c'est d'une certaine manière révélé. Donc j'ai abordé la question théorique avec une intuition de base, qui était l'art africain, excusez-moi, j'utilise toujours des gros mots, mais c'est casse-gueule, mais ça existe parce que je l'ai déjà expérimenté, je l'ai déjà vécu. Alors ensuite, arriver à mettre des mots, définir, c'est-à-dire délimiter ce que c'est. Moi, ça m'a beaucoup aidé, d'ailleurs, le bouquin, en parlant de cette question du rythme, et surtout en expliquant donc toute cette expérience en fait que Malraux relatait, des mots de Picasso qui m'ont permis de comprendre ce que j'avais éprouvé. Et donc toute cette idée de dire, mais le génie africain, c'est l'idée de donner une forme physique à un esprit, comme vous disiez dans l'idée de l'exorcisme, pour s'en protéger. Et c'est vrai qu'en fait, non seulement il est habité, mais il en ressort une force. Le masque Kwelegon, qui est le masque qu'on a utilisé comme pour être le symbole, la grande photo qui est à l'entrée en fait de Beaux-Arts, qui pour moi est un des plus beaux masques du monde. Sa force vient du fait, non seulement parce qu'esthétiquement elle est sublime, c'est le cubisme avant le cubisme, mais elle vient de sa petite taille et de ses proportions, parce qu'effectivement, on sent qu'il y a une espèce de force décuplée de l'esprit gorille dedans. Toute l'idée de dire, c'est un esprit qui a été mis dans une forme artistique. Et c'est vrai que ça a été quelque chose de génial pour l'art moderne, j'allais dire universel occidental, puisque effectivement, si vous avez demandé, comme je dis toujours, un artiste du XVIIIe siècle, peins-moi l'espoir, peins-moi l'amitié, c'est compliqué parce que lui, c'est un peu l'ancêtre du photographe, c'est-à-dire qu'il doit montrer quelque chose qui existe. Pour l'artiste africain, c'est justement toute l'idée de pourquoi sculpter comme ça, parce que pour lui, c'est pas un problème. Pour lui, son approche, sa manière d'aborder l'art et la création, justement, elle dépasse, elle transcende complètement l'aspect visible et la surface des choses. Et donc, par rapport à cette question de l'art africain, c'est intéressant parce que c'est difficile de le mettre dans une phrase, mais à chaque fois, j'essaye pour les jeunes artistes ou les artistes africains contemporains de leur demander de ne pas céder au piège, soit
pour séduire le marché, pour vendre, parce que c'est quand même la finalité d'un artiste, de pouvoir être acheté, pour pouvoir vivre, ne fût-ce que pour pouvoir vivre. Donc d'aller dans, de séduire, c'est-à-dire de donner au marché ce qu'il attend de lui. Donc quelque chose d'africain, quelque chose de visible, quelque chose d'un peu exotique, d'un peu tribal. Et puis je les invite en plus à avoir une espèce d'orgueil ou d'ambition révolutionnaire. On est en train d'arriver maintenant à un moment là où on est dans une société, dans une civilisation qui est en train d'arriver au bout de ses propres contradictions. On est, moi j'en ai incertitude, à la veille d'un grand changement, mais de nature vraiment structurelle, civilisationnelle. Et dans le cadre de l'art, on s'en rend compte, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on regarde la question, les vidéos, ça a été abordé même à l'époque dans la photo, mais la vidéo, la performance, combien ça coûte une performance? Comment on peut l'acheter? Et puisque tout dans l'art, dans le marché de l'art, est question de valeur, de prix, ça pose vraiment des questions de contradiction interne. Et c'est là où moi, je pense que nous, les Africains et nos artistes, sont les héritiers, les dépositaires naturels de cette formidable révolution, c'est-à-dire la manière dont dans ces sociétés pré-contact dont l'art intervenait dans la cité, c'est quelque chose en fait qui est tellement plus intéressant et tellement plus puissant. Moi, je reproche beaucoup au monde de l'art actuel et à la création contemporaine d'être pleine de vacuité. Donc il y a vraiment, je pense, un problème maintenant, c'est du concept, c'est du décalé, du deuxième degré, décalé par la danse, deuxième degré, troisième degré, c'est toujours c'est de l'anecdotique finalement. Et moi par exemple, j'ai été très intéressé par les artistes sud-africains, donc Kendall est un représentant très valable, qui à un moment ont réussi à rêver cette utopie de l'Afrique, de cette société multiculturelle, cette Rainbow Nation, cette nation arc-en-ciel. Et aujourd'hui, c'était le sens en fait de l'invitation que j'ai demandé vraiment à Kendall de vous diriger. C'est parce que je pense que vous devez avoir des hommes comme vous, des personnes comme vous doivent avoir voix au chapitre. Vous devez être entendu. Et hors même du cadre juste de la théorie qui justifierait à vous donner ce micro, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est justement qu'on aille au-delà de ça et que par rapport aux questions qui nous occupent tous, vous également en tant qu'Africain, qui est finalement, mais est-ce qu'on est victime d'une espèce de... Est-ce qu'il y a une malédiction sur nous? Comment ça se fait que depuis les indépendances, alors le Sénégal va moins mal par exemple que le Congo, dont nous sommes originaires, mais c'est vrai qu'on est toujours confronté à cette question de dire mais finalement, est-ce qu'on est damné? On va de déception en déception, de faillite en faillite, de faillite matérielle en faillite morale, et c'est très décourageant. Et moi je pense que de ce point de vue-là, effectivement, on a plus besoin aujourd'hui d'artistes que d'économistes ou de juristes. On a plus besoin de philosophes que de prêtres. On a plus besoin de musées que d'églises. Il n'y a pas de spécifique. Il ne s'agit pas de s'enfermer dans un particularisme. Et il ne s'agit pas de dire, regardez à quel point, en tant qu'Africain, je suis différent. Chaque culture, a écrit Senghor, a pensé à la dimension de l'universel. Quand vous produisez, quand vous créez, vous ne dites pas aux autres, regardez comme ma création est particulière et spécifique à qui je suis. Vous dites aux autres, regardez quel visage je donne de l'expérience humaine en général et de la condition humaine en général. Et donc, effectivement, il ne s'agit pas de dire que les Africains auraient une spécificité telle que ce qui est dit de l'art africain ne vaut que pour l'art africain. Et à la différence c'est sur ce plan-là qu'il faut voir en gros que la condition humaine est une, les dispositions créatrices humaines sont les mêmes, simplement il y a des cultures qui font le choix plus massif d'aller dans une direction que d'aller dans une autre. Par exemple, je donne un exemple. Tous les calculs de proportion sur les sculptures sont bien connus. On sait que la tête doit occuper un huitième et puis l'autre huitième doit arriver à tel niveau, etc. Et là, on a des créateurs qui, au contraire, se disent ce qui doit sortir, ça va être une forme telle que le corps soit un corps d'enfant, pratiquement, avec une grosse tête de vieillard. Ou alors l'inverse. Un corps splendide avec une tête toute petite. On décide de grossir une partie du corps et de faire des disproportions. Ou alors, on décide que tout va être constitué à partir d'objets géométriques.
Ça n'est pas simple de mettre ensemble des cylindres, des triangles, des losanges, si on veut s'obliger à produire un corps humain avec des cylindres, des triangles et des losanges. Comment fait-on ça? Comment fait-on que ces choses puissent tenir ensemble et que ça ne s'écroule pas? Ça devient presque un problème de physique. Et quand l'artiste, le créateur, réussit à faire cela, ça veut dire qu'il a mis en évidence, derrière les matériaux qu'il a utilisés, derrière les formes plastiques qu'il a utilisées, triangle, cylindre pour les yeux, losange pour le torse, etc., il a utilisé ces matériaux-là pour nous dire quelque chose, pour nous dire « faites attention à ce qui fait que tout cela tient ensemble ». Et c'est cette chose qui tient ensemble qui est la force ordinatrice. La force qui fait que ça ne s'écroule pas, que les cylindres, les triangles et les losanges tiennent ensemble et me donnent l'allure générale anthropomorphique, donc corps humain. Pourquoi cette décision-là? Pour mettre en évidence cette force qui est derrière et qui fait que les choses tiennent. Ça veut dire donc que l'objet de l'artiste, ce n'était pas de dire « il faut que je m'arrange pour que la tête soit un huitième, etc. » parce que la finalité, c'est de reproduire un corps humain, idéalisé, mais de le reproduire. L'artiste dit « ma finalité, c'est de faire sentir cette force ordinatrice parce que je ne représente pas, je ne reproduis pas la réalité, je symbolise. » Un exemple tout bête, grossir les parties génitales pour donner un symbole de fécondité. C'est un exemple simpliste qu'on ne trouve jamais naturellement tel quel, mais pour essayer d'exprimer de manière plus empirique ce que j'essaye là de dire. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des formes qui soient des formes mimétiques où la nature est reproduite. Prenons par exemple le faux qui a été le clou de la visite et que Kendall a montré, ce Britannique qui avait fait un moulage d'une tête d'Iffé et qui a reproduit donc une tête d'Iffé avec des scarifications, etc. etc. Voilà un art totalement mimétique parce que c'était un art de cour. Quand on avait un art de cour, comme tous les rois dans le monde entier, un roi va être représenté tel qu'il est. Donc, il peut y avoir un art de cour qui soit un art mimétique. Donc, toutes ces possibilités, les mêmes possibilités humaines, existent dans toutes les cultures. Quand une culture décide de valoriser telle possibilité plutôt que telle autre, de mettre l'accent sur tel aspect plutôt que tel autre aspect, cette culture n'est pas en train de dire « je me retranche de la condition humaine en général pour affirmer ma spécificité », elle est en train de dire « je vais donner un visage particulier » de la condition humaine que nous partageons et qui est reconnaissable par vous tous. C'est la raison pour laquelle ces penseurs de la négritude d'ailleurs, cette réflexion, tous ceux qui ont mené cette réflexion sur l'art africain, aussi bien Senghor que son alter ego Aimé Césaire, ont toujours insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas pour eux de s'enfermer dans le spécifique et le particulier, de dire que quelque chose est uniquement africain et exclusivement africain et qu'on ne le trouve pas ailleurs. C'est ce qui fait que Senghor estime que Rimbaud est nègre, que Baudelaire est nègre, que le philosophe Bergson est nègre. Évidemment, il négrifie Picasso et tous ses amis artistes. Ça n'a pas de sens de ce point de vue-là. Mais ce qu'il est en train de nous dire bien plus profondément, c'est que nègre, c'est une posture devant le monde, c'est une certaine manière de créer, ce n'est pas une identité dans laquelle on s'enfermerait comme dans un cachot. Il n'y a pas de conception carcérale de l'identité et du spécifique en la matière, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'article que j'ai proposé à l'Encyclopedia of Philosophy de Stanford University, je le termine sur la phrase suivante, on n'a pas besoin d'être noir pour être nègre. J'ai l'air de dire un paradoxe, mais je crois que c'est profondément vrai. On peut être nègre sans être noir. Alors je voulais rajouter un peu à ce que vous venez de dire, avec encore une fois une expérience personnelle. C'est vrai qu'à l'époque, on avait fait en 2005 le premier pavillon de l'histoire, le premier pavillon africain de l'histoire de la, et le dernier d'ailleurs, de africain en tant que tel, c'est-à-dire continental. Il y avait des pays africains qui étaient représentés en 2007 à la Biennale, mais c'était la première fois là où il y avait un pavillon africain.
On avait fait l'effort, à l'époque, je me rappelle, c'était un débat qu'on avait eu avec Simon Djami, qui était donc un des commissaires, là où on avait délibérément mis un tableau donc de Miquel Barceló, qui est un peintre espagnol, artiste espagnol, et de Jean-Michel Basquiat. Et on leur avait décerné un certificat d'africanité. Et c'était un peu cette même intuition de dire, mais le pavillon africain, effectivement, et on accompagnait, ce que je disais tout à l'heure, un regard africain sur le monde de l'art. Cela dit, moi je pense que dans la pratique, l'idée de l'art africain, c'est justement une autre relation à l'art. Et je vais vous en donner un exemple. Moi, j'ai beaucoup bossé sur les archives, quand on a travaillé sur la question du rapatriement des œuvres de Dundo, donc du musée des civilisations de Chokwe. Il y a beaucoup qui a été écrit par des ethnologues, anthropologues, etc., sur la civilisation de Chokwe, notamment pour les francophones, Marius Bastin, la regrettée, bien connue spécialiste belge, et puis José Redinha, qui a été donc un Portugais, un Angolais, je crois qu'il était Angolais blanc ou Portugais à l'époque, puisque Angolais n'existait pas en tant que tel, qui a été donc à un moment le conservateur du musée de Dundo, et qui a fait beaucoup de... En fait, il a fait des archives, des aquarelles, etc. Et il y a un passage dans le bouquin de Redinha qui est très intéressant. Là, il reproduit, en fait, et donc c'est une forme, c'est une espèce de rectangle, comme ça. Enfin, ne regardez pas ce qui est représenté sur le rectangle, mais c'est un rectangle un peu comme ça, avec des petits V partout, donc des petits V qui se suivent comme ça. Et il a demandé en langue tchokwe à l'auteur de ce... Donc, à l'intérieur de sa maison, en fait, il l'avait peint. Et il a demandé, mais c'est quoi au juste? Et il lui a expliqué que, en fait, ça représentait pas quelque chose de physique, c'était un moment. Le matin, quand il se réveille, la première chose qu'il voit par sa fenêtre, c'est... le moment qu'il éprouve, c'est dans l'arbre qui est juste à côté de chez lui, il y a des oiseaux qui chantent. Et à ce moment, en fait, là où il commence sa journée, c'est pas quelque chose qu'on peut montrer comme ça, comme au démonstratif. C'est pas l'arbre, c'est pas l'oiseau, c'est pas juste les champs. C'est aussi ce que ça lui évoque et le moment qu'il est en train de vivre. Et donc, c'est exactement ce que vous disiez en utilisant l'outil géométrique, mais qui en fait transcende complètement. Ça renvoie pas seulement à quelque chose de visuel. Ni même à quelque chose de sensible uniquement, c'est-à-dire de l'ouïe, mais effectivement un moment philosophique, c'est-à-dire c'est un moment de sa vie qui est important pour lui et qui est représenté de cette manière-là. Cette approche-là, ça c'est vraiment de l'art africain. C'est un art qui n'a pas besoin de lever le doigt ou de demander la permission pour exister ou pour s'exprimer. Et c'est ce genre de... Alors, ça revêt évidemment diverses formes. L'art produit par un artiste d'origine africaine ou un artiste étranger en Afrique peut être qualifié ou considéré d'africain. Pour moi, personnellement, ce qui m'émeut et qui m'intéresse dans l'art africain, c'est ce genre d'art-là qui nous impacte. C'est-à-dire c'est une rencontre, une confrontation qui, une fois qu'elle a eu lieu, vous a transformé, vous a impacté et a un peu dévié la trajectoire sensible, intellectuelle ou philosophique de la personne. Et par exemple, en plus, il faut se souvenir, pour continuer sur cette question de spécificité, que l'africanité, c'est une chose ouverte qui est tout le temps en train de s'inventer. Césaire a eu un avertissement très important pour nous et j'ai vu que d'ailleurs dans Incarnation, Smooth a eu bien raison de citer ce discours magnifique de Césaire de 1966 au Festival mondial des arts nègres de Dakar, quand il prévenait les Africains que non seulement leur art n'est pas mimétique, ils n'essayent pas d'imiter la réalité telle qu'elle est, mais qu'il faut qu'ils évitent de passer leur temps à s'imiter eux-mêmes. À se répéter et avoir une espèce de répétition à l'identique de soi-même, ça aussi c'est une autre manière de mourir. Et ce que j'ai bien aimé dans l'exposition Incarnation, et là je me félicite d'être quand même arrivé à temps pour pouvoir la regarder avant de nous asseoir là, c'est par exemple le masque est pratiquement le symbole de l'art africain. En général, quand on parle art africain, on pense masque. Et la manière dont les masques classiques sont en conversation dans l'exposition avec la manière dont des artistes contemporains, l'art contemporain, joue avec l'idée de masque. Il y a une mascarade
extraordinaire qui est là dans l'exposition et qui est une manière contemporaine de jouer avec les masques en les tournant en dérision un peu, en utilisant par exemple ce blanchiment qu'on a vu à côté d'un blackface de black, justement en rajouter à la noirceur, etc. Et je trouve ça magnifique et je trouve que c'est ça vraiment l'idée. Précisément, et vous le disiez tout à l'heure, il ne s'agit pas de faire de l'art classique ou de l'art contemporain, mais de l'art, et d'avoir les deux et de les faire entrer en conversation. C'est l'idée que l'africanité, ce n'est pas une essence, c'est un mouvement, c'est un devenir, c'est une chose ouverte. Et c'est la créativité artistique est précisément ce qui garde l'identité toujours ouverte, l'empêche de se refermer sur elle-même et d'être une conception carcérale et finalement meurtrière. Le monde aujourd'hui est en train de mourir des ethno-nationalismes. Toute identité est transformée en politique maintenant. Ce n'est pas le moment d'en rajouter sur les essences et il vaut mieux en rajouter sur les devenirs et comprendre la fluidité des identités, la manière dont elles se fusionnent, dont elles sont précisément entrées les unes dans les autres. Un complément absolue de la philosophie senghorienne de l'art, c'est son idée que chacun doit être métisse à sa façon. Et ça, ne jamais l'oublier. Quand il parle de l'art africain, il est en train de dire que le principe même de la créativité, c'est la capacité que l'on a de se décentrer. Non seulement d'exprimer son identité, mais ça, l'identité, elle fait comme l'intendance, elle suit, elle est là. Bon. C'est comme les montagnes. Ce qu'on en dit, c'est qu'elle est là. Mais à partir de là, la capacité de décentrement. Et cette capacité de décentrement, tant qu'on l'a, on est créatif. À ce moment-là, l'art africain est un art vivant. Et je suis absolument ravi que Incarnation nous ait donné là l'image d'un art vivant et non pas d'un art enfermé sur une identité construite de toutes pièces et prétendant être une spécificité à l'exclusion de toute l'expérience humaine accumulée ailleurs. Alors c'est juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est intéressant parce que justement c'est un travail extraordinaire que Kendall a fait pendant qui était un peu tout le souci. Personnellement, en tant que collectionneur, je me rends compte du non-sens de ma démarche. Je tombe en admiration devant des œuvres qui ne sont pas l'œuvre. Le masque n'est pas l'œuvre. Il a beau être un chef-d'œuvre, ça n'est pas l'œuvre. L'œuvre, c'est la performance qu'on appelle la mascarade. Et de ce point de vue-là, je suis toujours en travail. Et donc, pour témoigner un peu de ce qu'a été ce bouquin pour moi, en fait, comme tout Africain, je suis en construction, vous me direz comme tout homme, mais vraiment comme Africain, je suis orphelin d'un passé par rapport auquel je suis frappé d'amnésie. Et comme je disais, c'est très bien expliqué dans le bouquin, je crois que c'est Apollinaire qui le disait, ou Malraux peut-être, vous m'excuserez de mal citer, mais le problème c'est que le seul lien que nous avons à ce passé-là, qui est tellement important par rapport à notre identité, surtout à ce moment-ci de la civilisation, de notre vie, du temps qu'on vit, du moment qu'on vit, nous l'avons à travers un miroir déformant qui est l'anthropologie ou l'ethnologie, qui est la science du tout autre, de l'autre. Donc on a un regard exotique vis-à-vis de nous-mêmes et c'est très très difficile en fait de combler ce vide. On peut le combler par des artistes, par de l'art, on peut le combler par des philosophes, une approche théorique, mais c'est un peu ce que j'appelais cette mémoire fantôme lorsque on a fait en fait le vernissage. C'était une idée qui m'était venue en fait en voyant l'expo pour la première fois dans son entièreté. C'est effectivement quand il vous manque un membre, mais on vous a coupé la jambe ici, mais votre doigt de pied vous démange et il faut absolument qu'on vous gratte le doigt de pied. C'est cette espèce de mémoire fantôme qu'on a vis-à-vis de ce passé-là. Et de ce point de vue-là, je voulais vous dire votre bouquin. Et toute cette séquence que j'ai vécue, et je voudrais vraiment rendre hommage à tous ceux qui ont participé à ça, mais d'un point de vue très personnel, parce que c'est quelque chose qui m'a apporté moi personnellement. Ça a été un peu, ça m'a rappelé, dans Orphée Noir, donc l'introduction qui a été faite par les mains sales, Sartre,
Et alors il disait, alors je vais très mal le reciter, mais il disait, grosso modo, tous ces visages noirs que vous aviez maintenus, virés vers le sol, bâillonnés, qu'espériez-vous le jour où vous retiriez de leur bouche ce bâillon, qu'ils chantent vos louanges, et je vous souhaite un jour, comme moi, d'éprouver le saisissement d'être vu. Effectivement, cette intuition initiale de mon expérience dans l'art, dans la culture, en Afrique, de l'art africain, ce saisissement d'être vu dans ma partie occidentale, je l'ai éprouvé et ça m'a inspiré. Et grâce en fait à cette exposition et grâce à votre livre, j'ai éprouvé pour la première fois le saisissement de me voir, ou de m'entrevoir, ou de m'apercevoir. Et en fait, c'était ça toute l'idée, mais à la fois de faire cet échange avec vous, là où j'aurais aimé beaucoup moins parler et beaucoup plus vous écouter, mais aussi de l'exposition, parce que pour moi c'était un tout. Alors chacun en fera l'expérience qu'il pourra, mais cette espèce d'anxiété d'en témoigner, c'est parce que justement ça a été tellement fondateur et tellement formateur pour moi que j'aimerais justement que ça puisse pouvoir partager cette expérience avec beaucoup d'autres personnes. Donc à ce titre-là, encore une fois, merci beaucoup. Je suis un peu émue par ce que vous dites, pas parce qu'il faut se laisser déborder nécessairement par les affects, mais parce que dans vos discours qui résonnent vraiment, il y a eu quand même des choses extrêmement fortes qui ont été dites, qui ont à la fois une couleur très politique et aussi très spirituelle. À la fois une réflexion sur les identités, mais aussi une réflexion sur qu'allons-nous faire finalement du continent, de quelle manière pouvons-nous, je ne sais pas, nourrir nos imaginations pour penser à un devenir du continent, puisque vous aviez parlé à un moment, tu as parlé pardon, de la question de la malédiction, etc. Et j'ai l'impression, en lisant, en écoutant, en traversant quand même, bon, l'exposition je l'ai quand même faite de manière très intime, toute seule dans mon coin, j'ai vu quelque chose, et j'espère la revoir plus longuement demain, mais je ne veux pas mentir sur les expériences qu'on fait, puisque je n'ai pas pu la voir pleinement. Mais par contre, une des dimensions qui était très forte et qui résonne chez vous deux, en fait, c'est le lien entre spiritualité et politique, qui peut sonner, qui peut faire très très mal aux oreilles, mais qui en fait ne fait pas du tout mal aux oreilles quand on voit effectivement comment ça s'incarne et le propos qui est tenu. Et je pensais justement à un texte de Kendall Gers qu'on trouve dans Incarnation, qui porte un titre qui pourrait faire un magnifique manifeste, In Kissy We Trust. Et dans ce texte, ce qui est assez, ce texte il est vraiment génial. Je vous invite à le lire. Et il part de la figure donc d'une kissy, vous savez, appelons le fétiche pour aller vite, dans lequel on frappe avec des clous et qui est composé de miroirs, etc. Et ce sur quoi insiste justement ce texte, c'est la manière de démonter le regard, de savoir qui est vu, qui est regardé. Et dans ce jeu de regard, en fait, je repolitisais la situation de celui qui regarde et de celui qui est regardé. Mais ce qui est aussi très fort dans le texte, c'est que, au-delà de la question politique, il s'agit de dire que regarder, c'est pas simplement utiliser l'organe sensible, mais c'est aussi peut-être opérer des coups de sonde spirituels dans le réel. Et ce qui est intéressant, c'est que ce discours-là, vous le portez, je pense, tous les deux. Mais c'est aussi un discours de Senghor, et c'est un discours que Senghor, en fait, utilisait pour montrer comment lui-même il a pu renaître à son africanité, comment il a pu renaître à la question de la négritude. Et en préparant cette conversation, je suis retombée sur un texte de Senghor dans Négritude et humanisme, où il dit la chose suivante, qui résonne donc avec le fameux In Kissy We Trust, et ce que vous dites en fait sur votre expérience à la fois de l'obscurité, de la spiritualité et du devenir. Je cite Senghor, donc. Il parle de ses camarades, Césaire, Damas, dans les années 30, à Paris, et il dit la chose suivante. Nous marchions, munis des armes miraculeuses de la double vue, perçant les murs aveugles, recréant les merveilles du royaume d'enfance, nous renaissions à la négritude. Et il y a quelque chose de très très fort avec le point de vue que vous décidez d'assumer, en employant un mot qui est aussi très chargé, mais qui a énormément de résonance, celui d'afrocentricité, en fait, où le moment où on peut commencer à réassumer cette situation d'énonciation, moi, africain dans le monde, exige justement d'en passer par une autre conception du regard, une autre manière de voir, et cette espèce de double vue, en fait, qui renvoie à une certaine forme de spiritualité, qui n'a rien de niais. À chaque fois qu'on emploie le mot spirituel, on a l'impression qu'on va entrer dans des formes de clichés, New Age, etc. Or là, il s'agit vraiment d'une expérience à la fois existentielle, propre et également politique. Et si je vous pose cette question, j'aimerais vous poser
à tous les deux cette question, peut-être pour terminer cette conversation avant de laisser la parole au public. Comment est-ce que vous pourriez assumer justement un propos qui se dirait tout à la fois, qui se voudrait tout à la fois spirituel et politique ? Est-ce que ça vous paraît être une absolue, monstrueuse abstraction de fin de conversation ? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez pleinement assumer ? Et de quelle manière ? Je pourrais assumer. Je crois que... Tu as raison de rappeler que le spirituel, c'est pas forcément quelque chose qui nous amène dans des zones absolument obscures, mystérieuses, mystiques, etc. C'est simplement l'affirmation qu'il y a une force de l'esprit dont c'est la fonction de soulever la matière. Au fond, que notre condition d'humain, c'est la condition qui fait de nous des êtres aliénés par beaucoup de choses, en particulier politiquement aliénés aussi. Et que le travail de l'humain, ça consiste à devenir humain. Humain, ce n'est pas, je répète toujours que être humain, ce n'est pas un état, c'est une tâche. Nous avons la tâche de devenir des humains, c'est-à-dire de nous désaliéner de tout ce qui nous retient. Et ça a une signification, ça a une signification politique. Ce n'est pas un hasard si les auteurs comme Senghor ou Nyerere, ou Kenneth Kaunda, etc., ont toujours pensé que le socialisme leur commandait de lire de préférence le jeune Marx plutôt que le Marx du Capital. Le Marx du Capital, c'est le Marx de, évidemment, de l'analyse économique, de ce que signifie être exploité parce qu'il y a de la plus-value, on nous extorque de la plus-value. Le Marx jeune ne parlait pas ce langage, il parlait le langage de l'esprit, le langage spirituel, de la libération de tout ce qui nous aliène. L'aliénation plutôt que la plus-value, c'était le fait que l'humain était dépossédé de son travail, que l'humain était séparé des autres humains et que l'humain était séparé de sa propre humanité. Pour lui, le pire aspect du capitalisme, c'était précisément cela. Séparer l'humain de sa propre humanité, et donc tout le travail de l'humain, c'était en quelque sorte de se déprendre de toutes ces aliénations et de s'élever à sa propre humanité, et c'est tout simplement ce que j'appelle ici spiritualité, justement, ce mouvement de se déprendre. C'est le mouvement artistique, la création artistique. Je disais tout à l'heure, tu as aimé cette expression, faire un rythme de rythme. Mettre ensemble des rythmes pour les faire converger vers ce qui sera le rythme final de l'objet que tu auras constitué. Et rencontrer cet objet, donc le travail de l'artiste, c'est un travail de spiritualisation, cette manière de soulever la matière vers la fine pointe du moment où la matière va symboliser, va être spirituelle. Donc quand je regarde cet objet qui suinte, quand je regarde une sculpture, j'ai le sentiment de regarder une chose plus spirituelle et plus lumineuse que simplement la masse et le matériau dont l'objet est fait. Et sur le plan politique, c'est également cela. L'idée que le travail d'émancipation de l'humain, c'est la même chose qu'un travail de spiritualisation de l'humain, c'est-à-dire faire en sorte qu'il se déprenne de tout ce qu'il leste, de tout ce qui est pesanteur et de tout ce qui est séparation et fragmentation, et qu'il se reconstitue comme un tout et un tout qui s'élève. Senghor dit, je me rends compte que je n'ai pas arrêté de citer Senghor, décidément, son fantôme me hante. Mais il dit qu'on est évidemment passé de Homo faber à Homo sapiens, la finalité c'est Homo artifex. L'humain artiste, l'humain en général artiste. Je suis totalement empoté de mes mains et je ne saurais pas créer le moindre objet artistique possible. Mais justement, il faut que j'y arrive d'une certaine façon. Il faut que je puisse m'inventer aussi comme humain totalement émancipé, c'est-à-dire désaliéné. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il peut y avoir une convergence entre la philosophie de l'art et de la création, telle que je la comprends, telle que j'ai appris à la comprendre et telle que j'essaye de partager ce que je pense en avoir compris, et également une certaine forme d'exigence que j'appellerais socialiste, mais un socialisme spiritualiste,
effectivement, qui met en avant l'exigence éthique d'abord, l'exigence éthique, morale et spirituelle d'émancipation de l'humain et de l'invention de l'humain de sa propre humanité. Sur cette question, encore une fois, j'ai une approche qui est très pratique et de mon expérience personnelle plus que théorique. Mais effectivement, moi j'ai fait il y a quelques temps un peu la synthèse des différents chemins que j'ai parcourus. J'avais le sentiment que mon engagement, par exemple, dans la société civile au Congo était complètement différent de mon engagement dans le domaine de l'art en Angola. Alors qu'en fait, c'était un prolongement complètement logique. Parce que finalement, la culture, c'est politique, c'est de la politique. Aujourd'hui, la manière, je pense, le mot qui est dévoyé, c'est pas le mot culture et le mot spiritualité, c'est le mot politique. Et effectivement, la même manière que vous avez dit, la spiritualité, c'est pas quelque chose de sale, c'est pas la politique, c'est pas quelque chose de sale, c'est pas essayer de conquérir le pouvoir et le maintenir à tout prix. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, effectivement, ça faisait partie de cette espèce de démarche existentielle, de dire, mais comment est-ce que je suis utile, comment est-ce que je suis instrumental, comment est-ce que ma vie fait une différence pour faire avancer les choses pour ce qui me touche, c'est-à-dire ce continent qui souffre, qui a tellement de potentiel, mais qui est tellement en train de souffrir de ses contradictions et d'aller parfois de mal en, enfin, dans le cas de mon pays, de notre pays, de mal en pis. Et de ce point de vue-là, j'ai le sentiment qu'effectivement, il n'y a que en travaillant sur l'homme, sur la culture, arriver à nous redéfinir autour des valeurs, arriver, comme dit le philosophe, à pour voir l'île, il faut sortir de l'île. Donc faire ce travail-là, c'est le travail qu'on fait avec l'artiste lorsqu'il nous confronte à nos contradictions en tant que société, en tant que public. Idem pour le philosophe. Et donc moi, c'est exactement tout ce qui m'intéresse. Je me dis que le Congo n'ira pas mieux le jour-là. Il y aura, comme par magie, un messie ou un homme providentiel qui descendra du ciel et qui résoudra tous les malentendus. Mais réellement, le moment là où on sera capable, nous tous, de faire ce chemin. Et vous êtes un des guides qui peuvent nous accompagner sur ce chemin. Alors, j'aime pas faire des comparaisons, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en Europe notamment, on connaît pas beaucoup de philosophes, parce que finalement, vous restez quand même dans un domaine des intellectuels ou des élites, et parfois votre discours, on le tient à distance. C'est marrant, vous parliez de distance tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on considère que les philosophes doivent forcément vivre dans une espèce de bulle qui est ce truc métaphysique du monde des idées qui n'a rien à voir avec la réalité. Et je trouve ça intéressant que justement on puisse confronter sur un même plateau quelqu'un d'aussi cultivé que vous et aussi, j'allais dire ignorant, disons expérimenté que moi. Mais en l'occurrence, ce que je trouve justement intéressant, c'est que vous puissiez un peu. Alors, je regarde un peu en France, il y a une conjoncture. Je sais que toi tu vis en France particulière avec des tensions sociales qui semblent pas être si conjoncturelles que ça finalement, qui semblent relever plus de la structure que de la crise, conjoncturelle. Et on regarde un Michel Onfray, par exemple, dans le domaine philosophique, qui parle beaucoup de ça. Et donc, à la fois sur son propos et sur sa manière de communiquer avec alors il fait des podcasts, il fait des sites, des Facebook, etc. Il fait son école populaire, l'université populaire, c'est ça. Et vraiment, c'est un peu le défi que j'aimerais vous lancer ou que j'aimerais nous lancer. Essayons peut-être ensemble, là où je ne suis, d'être plus que la somme de nos individualités et d'être instrumentaux dans un déblocage qui est très profond, mais finalement qui est très spirituel, psychologique, intellectuel, identitaire. Et c'est pour ça que souvent je vois l'Afrique, voilà, on vient, alors le FMI vient, la Banque mondiale vient, il faut que les investisseurs viennent, etc., etc. Et on est tellement en train d'essayer de travailler en étant plus fort à l'extérieur qu'à l'intérieur, ce qui est un danger total. Et aujourd'hui, je pense que la recherche de sens par rapport à notre identité, nos valeurs, ce qui fait que dans ce grand concert, dans ce dialogue globalisé, dans cette rencontre des cultures, finalement, quelle est notre valeur ajoutée? Qu'est-ce qu'on apporte? Est-ce qu'on est, comme je disais tout à l'heure, le siège de notre propre pensée? Et c'est là où je crois que c'est vraiment très très important qu'on essaye de se poser concrètement ces questions-là. Donc maintenant que j'ai votre numéro de téléphone, vous souffrirez que je l'utilise et que j'en abuse.
Et puisque tu fais l'année prochaine la biennale de Kinshasa, je suis sûr que ça va complètement mettre en panique tous tes plans. Mais j'ai rarement eu l'opportunité justement d'avoir un tel concours de circonstances. Je dois remercier parce que tout a commencé avec Kendall au départ. Par ce concours de circonstances, son anniversaire, là, il m'a maltraité. Et que ça continue aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse apporter ce dialogue, parce qu'on n'a pas tellement apporté de réponse, mais au moins on a arpenté le chemin. Et finalement, c'est plus ça qui est important que la destination, c'est le voyage. Si c'est possible, qu'on essaye de réfléchir tous ensemble à amener ça serait génial à Kinshasa dans ce cadre-là, et qu'on essaye d'avancer exactement sur ces questions concrètes. Oui, pour dire simplement absolument, absolument. Tout à fait d'accord pour cette démarche commune. Et puis, je suis heureux que ça ait commencé ici à Bruxelles, puisque maintenant, d'une certaine façon, me voici citoyen d'honneur belge. Académicien et royal, ça vaut citoyenneté. mais ce sera avec un immense plaisir. Et effectivement, je crois que c'est comme ça que les choses vont se faire. L'expression utilisée tout à l'heure de penser à partir de nous-mêmes et regarder le monde à partir de nous-mêmes. Yala et moi participons de temps en temps à une rencontre qui s'appelle les ateliers de la pensée à Dakar, et qui a une devise qui me semble la devise qu'il faut que nous fassions nôtre aujourd'hui. Les questions africaines sont des questions planétaires. Et les questions planétaires sont des questions africaines, pour revenir un peu à l'idée de spécificité tout à l'heure. Et il faut que nous allions dans cette voie-là. Nous sommes dans une conjoncture qui est effectivement une conjoncture, c'est un moment charnière où les grands problèmes sont là. Tous nos jeunes qui se noient dans la Méditerranée, le scandale que constitue le fait que le Congo soit dans la situation où il est, alors que le Congo a vocation à nourrir le reste de la planète, etc. Mais en même temps, les germes de changement sont réels. L'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique d'hier. On n'a pas fait, à force de considérer que c'est un continent catastrophe, où on attend toujours la prochaine catastrophe, et on a l'impression que la seule relation que le reste de l'humanité doit avoir au continent africain, c'est une relation de compassion et d'aide humanitaire, cette Afrique-là est terminée. On ne s'en est pas suffisamment rendu compte, mais les classes moyennes se sont quand même développées. Malgré tout, elles se sont développées. Elles sont devenues pouvoir d'achat. Elles sont plus éduquées. C'est vrai que les gosses se noient dans la Méditerranée. Mais en même temps, les gosses ont, en ce moment, se sont appropriés toutes les nouvelles technologies pour répondre à leurs propres problèmes. Il y a une créativité fantastique dans les villes. Il y a les intensifications urbaines en Afrique sont en train de révéler des créativités telles qu'il faut que nous sachions au fond que l'avenir est là, mais cet avenir est fragile. Les germes de changement sont là, mais on est toujours à la merci d'un recul, en particulier dans les questions de gouvernance, quand les gens sont toujours tentés par le troisième mandat, revenir sur la démocratie et des choses comme ça. Mais par ailleurs, l'Afrique d'aujourd'hui à de vrais, véritables germes de changement, et il faut que nous les accompagnions par des initiatives comme celle-là. Comprendre effectivement que notre créativité artistique n'est pas simplement du décorum, ce n'est pas ajouter quelque chose, ce n'est pas un surcroît qu'on ajouterait à des questions de développement, c'est véritablement le cœur de la question du développement. Et c'est un mouvement qu'il nous faut accompagner. Il faut déjà que nous décloisonnions notre propre continent. Faire en sorte que ce soit un seul continent. Il n'est pas normal que Kendall ait besoin de visa pour se promener sur le continent qui est le sien. Le monde entier aujourd'hui se ligue pour nous maintenir dans notre continent, faire en sorte que les hommes et les femmes noirs ou bruns ou brunes n'arrivent pas en Europe. Mais ce n'est pas le moment d'ériger nos frontières à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, constituer l'espace africain, l'habiter ensemble et voir les foyers de créativité et accompagner ces foyers de créativité, c'est, je crois, ce qu'exige de nous aujourd'hui notre continent.
non pas un optimisme béat, même si les germes de changement, c'est vrai, sont là, mais en tout cas pas l'afro-pessimisme dans lequel nous retombons toujours en ayant l'impression que en Afrique, il faut toujours attendre la prochaine catastrophe en se demandant d'où elle va arriver, mais avoir une forme d'afro-responsabilité. Et c'est ce discours-là que j'ai entendu vous dire, et je dis un oui franc et massif et enthousiaste à votre proposition. Non seulement je vais accompagner cela, je vais vous donner tous mes téléphones possibles et imaginables pour que nous nous rencontrions souvent, et je vais vous prier solennellement de m'appeler Bachir et pas professeur. Il nous reste une vingtaine de minutes avant de clore ce moment tous ensemble. Donc, la parole est à vous. J'imagine que vous avez envie de réagir à un ensemble de propos qui ont été tenus durant cette heure. Méditer. Ah, pas besoin de méditation. Je ne sais pas comment se fonctionnent les micros. Parfait. Si, il y a une question là. Chad Mukalinga, je viens d'Amsterdam. Ma question est de savoir comment concilier l'art et la politique et faire ce que Amilcar Cabral dit, que l'art devienne un outil d'émancipation politique. Comment on peut concilier l'art et la politique dans le contexte actuel en Afrique pour aider la jeunesse à prendre une certaine conscience face aux différents enjeux politiques que la jeunesse fait face sous les tropiques. Merci. On peut prendre tout de suite la deuxième question. Il y avait une main qui se levait là. On ne va pas vous oublier, je vous ai vu. Paul Gonce, je suis un nègre blanc, puisque je suis né en Afrique, comme Kendall, et je crois que les défis auxquels l'ensemble de l'humanité sont confrontés sont planétaires. Et que donc, ce qui m'étonne un petit peu ici, j'ai beaucoup apprécié la notion de métissage. Je crois que nous sommes tous des métis génétiques ou culturels. Et dans cette perspective, je m'étonne un petit peu que vous affirmiez de manière tellement radicale votre attachement à l'Afrique, alors que je crois qu'il est le pendant évident de tout ce que vous avez vécu en Europe. Et je crois que Picasso aussi pourrait se définir tout aussi bien, et on l'a dit, je crois, lors de ce débat, comme un nègre blanc. Donc, ma principale intervention, c'est de se demander dans quelle mesure nous pourrions tous ensemble arriver à comprendre que ce n'est qu'à travers l'acceptation de l'autre, de celui qu'on n'est pas, que nous parviendrons peut-être à nous ouvrir et à créer un monde où peut-être nous aurons quelques chances de survivre aux défis auxquels nous sommes confrontés. Je m'excuse de l'exprimer de manière un petit peu nerveuse, je n'ai pas l'habitude de parler, mais en tout cas, autre parenthèse, je dois dire que l'exposition était une exposition superbe. Elle m'a profondément ému et ce débat aussi, par sa générosité, me touche très fort. Je vous félicite encore. Il y avait une troisième question aussi, et puis après, vous pourrez répondre. Merci. Mon nom est Hugues Duprié. Je suis agronome et je suis arrivé en 62 à l'université Lovanium. Et je dois dire que c'est à ce moment-là que j'ai rencontré les premières pièces ou les premiers éléments d'art africain. Je l'ai rencontré dans une caisse en carton chez les missionnaires qui, je leur ai dit, c'est quoi? Et ils m'ont dit, ah, c'est des fétiches. J'ai le mot fétiche. Et puis, qu'est-ce que vous allez en faire? Oh, on va les brûler. Vous devez les brûler, donnez-les-moi. J'ai toujours des pièces comme ça de chez les Bayaka, qui sont extraordinaires. Alors, j'ai beaucoup apprécié vos deux points de vue et ça m'a fait penser à une exposition qu'il y a eu ici aux Beaux-Arts qui s'appelait Persona. Et dans Persona,
On avait énormément de pièces. On avait un gros livre magnifique, une magnifique affiche. Et j'ai apprécié ce fait que toujours j'avais entendu dans ma période post-coloniale, pas coloniale, mais dans cette période-là, que les Africains ne représentaient pas de portraits. Et j'avais chez moi un roi Kouba vendu par le directeur du musée de Louvre, je pense, à l'époque. Et on voit, il est vraiment digne, il est beau, et tout le monde me dit c'est une belle pièce. Mais dans l'exposition Persona, et sur cette affiche que j'ai dans un lieu très précis dans ma maison, on voit des gens qui rient, des gens qui pleurent, des gens, des expressions extraordinaires que je n'avais pas vues dans le musée. Je ne sais pas si ça se trouve maintenant un peu plus dans le musée de Terveurne, mais on voit une expression. Et ça m'a fait penser, ce que vous avez dit m'a fait penser, parce qu'il y a l'aspect philosophique, il y a l'aspect humain qui est là-dedans, et puis il y a l'aspect aussi artistique, les gouges, les couteaux, les pinceaux, etc. Et ces deux-là, j'ai trouvé que c'était réuni dans cette exposition. Il y a bien sûr bien d'autres choses, mais je crois que très souvent, je crois que quand vous dites qu'il y a un fait politique, c'est tout à fait exact comment on représente l'art africain. Et ce que vous m'avez dit m'a vraiment compléter mon idée. Et je termine en disant que sur le plan agricole, quand on travaille avec le monde paysan, on a aussi ce même problème politique, parce que les gens ont leur propre méthode, ou avaient du moins leur propre méthode de culture, et on pourrait s'en inspirer pour d'autres façons de faire que celles qui nous dirigent maintenant. Merci. Merci pour ces trois questions. Alors, lequel d'entre vous veut commencer sur la question de l'art, justement, comme émancipation ? Je crois que Bachir a une bien meilleure mémoire que moi, donc moi, avant d'oublier les questions, je me lançais. Tout d'abord, pour répondre à monsieur, merci d'abord d'avoir... Enfin, je suis content que vous ayez apprécié l'expo. Je voudrais pas faire une réponse politiquement correcte. Alors évidemment, comme ça se voit clairement, pour ceux qui peuvent pas voir ma mère au premier rang, je suis le mélange entre deux extrêmes, l'un bantou africain, donc du royaume du Congo, et l'autre scandinave, ma mère étant danoise. Cette question du métissage, je la remets pas en cause du tout. Et je me sens dans une certaine mesure, comme disait, je sais pas si tu te rappelles le bouquin que tu m'as fait lire de ce Congolais de Brazzaville qui était après ambassadeur, Henri Lopez, qui disait, gamin, il s'est fait maltraiter dans les cours de récréation parce qu'on l'appelait demi-demi. Jusqu'au jour, là, il a atteint le niveau intellectuel de leur expliquer qu'en fait, il était 200%. Il était à la fois 100% africain et 100% européen. Mais bon, comme on disait, ça, c'est une pirouette. Je le lis avec la question maintenant sur la question politique et art. Moi, j'ai vécu de près la crise au Portugal. J'ai vu à quel point l'ensemble de l'Europe s'est portée au chevet du Portugal. Et j'ai vu, physiquement, le génie portugais s'éteindre. J'ai vu les Portugais dans la rue commencer à marcher comme ça, presque le dos courbé, en regardant leurs chaussures. Parce qu'il y a quelque chose que l'échec, que la faillite induit, c'est le doute. Et cette question du doute, elle est vécue, mais vraiment pas comme de la psychologie sociale, c'est une somme d'individualité, tout le monde doute. Et j'ai adoré cette idée dont vous avez parlé, ou ce projet que j'ignorais, en relation avec la pensée, parce que le propre du doute, c'est la honte et l'interdiction qu'on se fait de penser. Pas seulement de rêver, mais de penser. Et ça, c'est un grand problème en Afrique. C'est qu'aujourd'hui, lorsque, à chaque fois qu'on parle art, il y a toujours, alors aujourd'hui, on a un aéropage qui est vraiment au-dessus du lot. Ben, j'ai toujours quelqu'un un abruti qui se lève et qui me dit oui, mais il y a des enfants qui meurent de faim en Afrique. Est-ce que vous pensez pas qu'au lieu de dépenser votre argent dans des bêtises, etc., vous pourriez aller leur donner à manger? C'est quelque chose d'assez dingue, en fait, d'être africain. Je pense que tous les Africains ici le sentent. Il y a une blessure en nous. Il y a un ressort qui est cassé.
On est dérangé. Donc, en fait, si je parle de ma construction en tant qu'Africain, c'est parce que ma construction en tant qu'Européen ne me démange pas. Elle ne me fait pas mal. Elle n'est pas exprimée par cette espèce d'insatisfaction ou d'anxiété ou de souffrance, cette partie-là. Donc, c'est pour ça que je parle beaucoup de ma construction en tant qu'Africain. C'est pas tant parce que j'ai un problème à m'accepter dans ma complexité ou dans ma diversité, mais c'est vraiment par rapport au défi qui m'est lancé. Là où je me sens beaucoup moins utile dans l'édification de l'Europe que dans celle de l'Afrique. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ma situation. Sur la question de l'art et de la politique, pour moi, la question, elle est, en fait, on dit toujours l'art. Et l'art, le problème, c'est qu'on considère comme art souvent l'esthétique. Et on dit, voilà, tiens, mais un tableau, en quoi est-ce qu'un tableau, ça peut avoir une résonance ou une incidence politique? Moi, je préfère parler de culture. Et je vous fais juste rapidement l'évocation d'une anecdote. J'étais avec mes enfants en train de me reposer le week-end, en train de m'endormir, ce qui est mon activité favorite le dimanche, devant la télévision, avec mes enfants autour de moi qui jouaient, et on regardait une émission, c'était en Angola, une émission de la télévision angolaise. Les Angolais, pour moi, sont les Cubains de l'Afrique. Ça, d'abord, ils ont une histoire documentée de 500 ans, et en plus, ils ont une histoire récente dans laquelle ils ont été tellement le point le plus chaud en Afrique de la guerre froide qu'ils ont été à un moment... qui était vraiment l'édification de l'homme angolais, ou de l'homme dans le sens homme ou femme, qui était le moment où ils se sont rendus compte que leur destin était entre leurs seules mains à eux, parce que personne n'allait les sortir de la situation dans laquelle ils étaient. Ils ont passé ce cap psychologique de devoir se dire, mais pourquoi est-ce que je me bats? Autour de quel principe, lorsque tout est perdu, je vais pouvoir me mobiliser pour faire cet effort extraordinaire? Et l'Angola, c'est un pays qui a survécu à la guerre froide et triomphé de la guerre froide alors qu'ils étaient quand même dans le camp qui a perdu. Donc c'est toute l'idée du paradoxe. Et en Angola, il y a donc, puisque c'est un pays qui a été vraiment défiguré, dévisagé par la guerre, il y a une jeune femme qui est une jeune chanteuse qui est belle, elle est courageuse, elle incarne toutes les vertus de la jeune femme africaine, forte, assumée, cultivée, talentueuse. Et elle fait donc cette émission de télévision, là, elle fait le tour de l'Angola. Parce qu'effectivement, tous les lieux excentrés de l'Angola étaient inaccessibles pendant des décennies à l'époque de la guerre. Et même après, puisqu'il n'y avait pas d'infrastructure. Et elle arrive à l'embouchure du fleuve Congo. Et elle présente le petit rocher sur lequel Diego Cao, en 1482, 10 ans avant la découverte, pardon, les États-Unis n'ont pas été découverts. 10 ans avant que Christophe Colomb n'arrive sur les rives américaines, Diego Cao arrive à l'embouchure du fleuve Congo. Et il met sur son rocher, voilà, j'ai été ici, 1482, au nom du roi du Portugal. Et elle montre ce rocher avec l'écriteau, et elle dit, alors j'étais dans un état presque de sommeil paradoxal, et j'ai sauté sur place. Elle dit, et c'est ici que commence notre histoire. Et là, je me dis, mais comment est-il possible que cette femme qui doit avoir 25 ans, qui a tellement de talent, qui est tellement forte, en soit encore réduite à penser qu'elle ne se met à exister et à entrer dans l'histoire que le jour où un explorateur portugais pose les yeux sur un sujet du royaume du Congo. Et c'est là où je dis tout le travail de la culture n'est pas du tout quelque chose de théorique. Excusez-moi, c'est pas une insulte, hein, théorique. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très concret. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas dans quelle mesure il serait possible d'envisager un développement de l'Afrique si on continue à penser que notre valeur n'est lisible qu'au travers du regard d'un tiers, et notamment d'un tiers qui est notre concurrent, puisqu'on vit quand même dans un système largement libéral du point de vue de concurrence généralisée entre les différentes économies. Et donc c'est là où je dis qu'effectivement, il faut qu'on arrive à désapprendre, à défaire, à déjouer le sort colonial qui nous a appris à regarder nos origines avec un mépris distant. Et ça, c'est justement tout ce travail qu'on essaye de faire à travers la culture et notamment l'art africain. Et paradoxalement, je le regarde dans le livre, je vous l'avoue, ce qui m'a déclenché, c'était Picasso. Parce qu'effectivement, quand j'entends Picasso, j'entends le plus grand artiste du XXe siècle. Et donc, fatalement, tout ce qui sort de la bouche de Picasso est parole d'évangile. Et c'est vrai, je me rends compte maintenant, j'ai un regard critique par rapport à ça, mais ça me l'a déclenché.
De la même manière, lorsque j'ai dit en Angola une statue de Chibinda et Lunga, il y en avait deux en Angola dans le musée de Dundo, dans le programme de rapatriement que ma fondation a engagé à l'époque. Il doit en rester peut-être 3-4 en main privée, il y en a peut-être une dizaine dans le monde en tout. Donc ce héros, c'est une statuette à peu près de 50 cm de haut, le héros mythique fondateur de la civilisation Tchokwe, avec des mains comme ça hypertrophiées, des pieds hypertrophiés, une espèce de grande coiffe comme ça de roi. Il y a un prince qatari qui a essayé de l'acheter pour un musée qu'ils essayent de faire à Doha. Et il a proposé à un vieux collectionneur juif new-yorkais, il a dit écoutez, je vous donne un chèque, vous mettez le prix que vous voulez dessus. Il a dit écoutez, je ne suis pas intéressé par l'argent. L'argent, on peut en trouver, ça vient, ça part, mais ça, c'est unique, il n'y en a pas. Il a proposé 20 millions de dollars. Et il lui a ri au nez. Et alors, au-delà de l'anecdote, moi, j'ai utilisé ça parce que j'en ai parlé beaucoup en Angola. J'ai dit. Ça vaut 20 millions de dollars. Pourquoi ? Pas parce que j'ai envie que les gens développent ce rapport malsain par rapport à l'art ou à la valeur des choses, mais parce que je sais que c'est un déclencheur. Les gens se disent, attends, mais c'est espèce de vieillerie, de sauvagerie, ce truc qui vaut rien, ce truc à brûler, à mettre à la poubelle. Parce qu'effectivement, on est des capitalistes, hein, des consuméristes, donc pour nous, ça nous déclenche. De la même manière, au niveau du symbole, le travail qu'on fait sur l'art et la culture, lorsqu'on a fait ce travail de rapatriement, la première opération de rapatriement qu'on a fait sur des œuvres qu'on avait rachetées qui avaient appartenu au musée de Dundo, on l'a faite à Luanda, dans le palais présidentiel, en présence du président de la République et du roi des Tchokwe. Toute l'idée de la symbolique et toute l'idée qu'on avait fait aussi de communiquer autour de ça sur les panneaux publicitaires de la ville, en fait, dans tous les outdoors de la ville, ça nous a permis, en fait, et c'est là où je parle d'afrocentrisme, ça nous a permis en fait de déclencher une prise de conscience. Alors c'est intéressant parce que c'est intéressant ce rapport entre l'art, la culture, l'histoire, la prise de conscience, l'identité, la prise de conscience. Mais c'est complètement politique lorsqu'on se dit que, comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai la certitude, et je suis un capitaliste, hein, je suis chef d'entreprise, l'avenir de l'Afrique n'est pas dans des formules que vont nous apporter le FMI, la Banque mondiale ou des solutions économiques. Le problème, c'est l'homme. Il est au sein de nous-mêmes. Ce ressort qui est brisé, sans ce ressort-là, il est absolument impossible que nous devenions le siège de notre propre pensée, nous ayons un discours critique, une valeur ajoutée sur le discours sur le monde. Et moi, je pense que justement, c'est tout le défi. Et aujourd'hui, je suis d'accord avec Bachir, l'art, la politique, l'enjeu politique, il est artistique ou culturel de ce point de vue-là. Justement, il est intéressant que vous ayez parlé d'Amilcar Cabral. Voilà quelqu'un qui a su prendre les armes pour se battre pour l'émancipation. Voilà quelqu'un qui est également agronome, qui a donc le sens de ce qu'il faut faire pour le développement de son pays, etc., et qui a écrit sur ces problèmes-là. Et pourtant, qui affirme que la culture et l'art est un enjeu majeur. Donc, s'il s'agit de l'action proprement politique, voire militaire, il s'est lancé là-dedans comme personne. Mais en même temps, il a le sentiment que l'essentiel se joue dans la création artistique, la création culturelle, et que l'essentiel, c'est également la relation qu'un peuple, qu'une société peut avoir à elle-même, cette société, en se regardant au miroir de sa créativité. Et parce que dans le miroir de sa créativité, elle trouve le ressort. Le ressort, je reviens sur c'est le mot le plus important là qu'on ait prononcé ce soir et vous l'avez utilisé. Le ressort est important. Césaire disait que le pire dans la colonisation, ce n'est pas d'être simplement dominé, c'est lorsque votre propre capacité d'initiative est complètement annihilée. La capacité d'initiative, c'est ce qui nous définit et c'est ce sur quoi notre émancipation repose. Et l'art, précisément, en nous renvoyant à nous-mêmes l'image de notre propre créativité, est ce qui nous permet d'avoir, d'avoir ces ressorts et de prendre l'initiative. C'est la raison pour laquelle la culture est importante. Elle est le fondement de tout. Quelqu'un qui est assuré de sa propre culture, de sa propre créativité, est quelqu'un qui est déjà aux trois quarts émancipé. Sur le métissage,
mille fois d'accord avec vous et merci d'avoir soulevé cette question. Elle est essentielle. Et il y a, évidemment, il y a un métissage réel, biologique, qui est que des personnes, on va dire, d'ethnicité, parce que les races, ça n'existe pas, d'ethnicité différente, de background différent, le mot le plus vague possible, se soient aimés et rencontrés en un nouvel être qu'ils ont créé. Mais plus important, plus fondamental, c'est le devoir de métissage. Le devoir de métissage, ça c'est une question éthique, ce n'est pas une question biologique. C'est-à-dire que ce qui va nous définir, et c'est en cela que je disais tout à l'heure, que l'humanité c'est une tâche. Ce qui va nous définir, c'est la capacité que nous avons de nous décentrer. Pour que ça ne soit pas abstrait, je vais inscrire cette question dans un champ que j'aime bien, qui est le champ de la traduction et des langues, des relations que nous avons aux différentes langues. Et donner l'une de mes citations préférées, qui est celle du poète Goethe, poète et philosophe. Goethe dit « Si vous ne connaissez qu'une seule langue, en fait, vous ne la connaissez absolument pas. » Et c'est vrai. Si je ne connais que ma langue, j'ai la manière dont ma langue découpe le monde, approche le monde, me donne une perspective sur le monde, et je n'ai aucune idée du fait que c'est une langue, une parmi d'autres. Il faut que j'apprenne une autre langue pour me dire, tiens, dans cette autre langue, ils ne font pas comme chez nous. Ils n'ont pas de genre, ou bien ils n'ont pas la même manière de conjuguer le futur, etc. Bref, je ne peux comprendre le fonctionnement de ma propre langue que si j'ai une autre langue pour l'approcher et pour comparer. Et c'est la raison pour laquelle cette capacité de décentrement que nous vivons, par exemple, lorsque nous sommes bilingues ou multilingues, etc., il faut que nous puissions la vivre dans tout ce qui est perspective humaine de manière générale. Pouvoir nous mettre, comme on dit en anglais, dans les chaussures de quelqu'un d'autre. Ça, c'est le véritable métissage. Et ça, c'est une tâche. Et ça, ça s'apprend. Cela se cultive et c'est notre devoir de cultiver ce métissage-là qui est une exigence éthique et qui doit faire notre condition aujourd'hui. Et on n'en a jamais eu autant besoin de cela qu'aujourd'hui. Qui aurait cru qu'on pourrait avoir une espèce de religion de l'identité comme on l'a aujourd'hui? Parce que la manière dont on met en avant les identités, ça ressemble véritablement à des religions. Une des premières choses que vous faites, c'est avancer votre identité, la performer et ensuite avoir et l'opposer à d'autres identités. Au point que tout le monde se sent victime maintenant dans son identité et est prêt à prendre des mitraillettes pour aller tuer des migrants en estimant qu'ils sont en train de nous envahir, de vouloir nous remplacer. C'est absurde. Vous voyez que le métissage qui est notre avenir est considéré comme remplacement. Ce n'est pas que des populations vont se rencontrer et fusionner et inventer des humanités plurielles comme l'humanité a toujours fait. On transfère, on traduit, ça va être un remplacement. Ça veut dire que deux populations ne peuvent pas se fondre l'une avec l'autre, il faut que l'une remplace l'autre. Comme si on était dans un principe où on ne peut pas occuper le même espace à plusieurs. Et c'est contre cela que nous devons cultiver le métissage, c'est-à-dire le devoir de métissage, individuellement et collectivement. Et je suis heureux que vous ayez insisté sur ce point-là. On vient de me faire signe que le débat doit s'arrêter, ce qui est très dommage, mais on terminera donc sur cette note généreuse, heureuse. Nous pouvons remercier encore Cindy Kadokolo et Soulaine Bachir-Diagne pour cette belle conversation. Et merci à tous donc d'être venus si nombreux. Si je comprends bien, l'exposition se termine demain, c'est ça ? Donc vous avez jusqu'à demain. Après-demain, dimanche. Voilà. Au revoir.
présidente de faire.